Salut tout le monde, ça va bien? Moi en tout cas ça va bien, je viens de revenir de vacances. Au passage j'ai lu tous vos commentaires, hein, YouTube, Facebook et tout. Mais par contre j'ai pas encore répondu à tout le monde. Donc de toute façon je réponds à tous les commentaires, ça c'est systématique. Donc si je ne vous ai pas encore répondu, n'ayez crainte, ça va venir. Bref, aujourd'hui on va jouer à Enki. Donc on va lancer une nouvelle partie. Oula. Déjà rien que ça vient de me faire flipper. Ça craint. Ok, c'est parti. Let's go. Replacement de lunettes. Je suis toujours en train de tomber. Ok, c'est parti. Salopard, va. Alors je vais vous expliquer le topo. On vient de se faire capturer par un tueur en série psychopathe. Il nous a enfermé avec ce bonhomme là, qui a dû moisir ici apparemment. Et donc comme si ça suffisait pas, on a 30 minutes pour sortir de là. Bon, maintenant le temps que je blablate, ça fait plus que 29 minutes. 28 minutes 59 secondes. 28 minutes et 58 secondes. Bref, voilà. Donc on est bien dans la merde au final. Alors, petit tuyau, déjà on va ramasser ça. Alors je vous dis, bon, j'ai juste vu le début. Ça, je sais qu'il fallait me faire ça comme ça. Voilà. C'est tout ce que je sais du jeu. Après je ne sais absolument plus rien. Très bien. T'as pas une solution, toi? Non. D'accord. Allez. Saute donc là-dessus. Donc, bah donc, voilà. Donc, on est bien dans la merde. Voilà. On est dans la merde. Je ne sais absolument pas quoi faire. Ok. Je vais essayer de ramasser cette boîte de conserve et la mettre là. Non, pas du tout. Alors, peut-être cette bouteille. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais je ne sais pas quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je viens déjà de perdre 3 minutes hein, à rien faire. Pour l'instant, je résume la situation. Je suis enfermé, j'ai juste mis ce bout de tuyau dans celui-là. J'ai emboîté 2 bouts de tuyau en 3 minutes. Super. On va y arriver, vous allez voir. Tu veux toujours pas parler, toi? Salopard, va. Tiens, les gars, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai un os, là. Ok. Je viens de perdre déjà 6 minutes. On va peut-être faire quelque chose. Eh ben voilà! Tout simplement! J'arriverai jamais à sortir en 30 minutes. Je crois que c'est mort. Il va falloir que je me fasse une raison. Oula! Très intéressant par là. Oh, c'est qu'il est en train de se barrer le salaud. Il a fermé la clé. Ah ouais? Vas-y, t'inquiète pas. Il se retrouve dans toutes les... Encore un message codé. Le serpent, lire mortel serpent. Bon, je vais pas perdre mon temps à lire ça. Ah, quand je lis, le temps s'arrête, super. Ok, ça commence super bien, donc le jeu vient de crasher. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Bon, dans mon malheur, je viens de récupérer mes 6 minutes perdues de tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, un cendrier. Des cigarettes, super. Ça va vachement m'aider tout ça. Une boîte en carton. Ah bah ça c'est bien ça. Ça va m'aider. Une pomme pourrie. D'accord. Ah bah enfin ce que je cherchais, des lunettes. Une paire de lunettes. Rien ne vaut une bonne paire de lunettes pour se dépatouiller d'un tueur en série. Bon, il n'y a pas moyen de... Non, il n'y a pas moyen. Oui bon ça c'est une boîte en carton. Oh, à mon avis. Non. Un détergent de pulvérisation. Oh putain. Ça y est. On commence déjà à me foutre les boules l'autre avec ces conneries là. Un récipient en matière en plastique. Eh ben c'est bien. Je sens qu'on va bien perdre tout notre temps à chercher tous les petits objets dont la plupart ont l'air de servir à rien. Alors que je suis sûr qu'il faut juste mettre le clou là-dedans. Pas du tout. Ah, je peux pas ouvrir la porte avec le clou. Attendez. Ah, c'est quand j'ai ramassé le livre tout à l'heure que mon jeu a craché. Je crois que ça fait pareil. C'est pas que je crois, c'est que c'est sûr. Ok, je n'irai plus aucun bouquin. C'est fini. De toute façon, j'ai pas besoin de mode d'emploi pour sortir de là. Et je vais vous le prouver. Le problème maintenant, c'est que j'ai perdu mon clou de tout à l'heure. Il est là, le bins. Et je sais plus où il était. Oh ! Une clé.
Bon bah j'ai perdu mon clou. Mais j'ai gagné des clés. Donc c'est super. Ah ouais. Ah, il avait l'air vachement rassurant lui. On va y aller tranquillement. Je sens que ça va me sauter à la gueule. Oh putain. Par contre je vous dis c'est mort hein. Moi je lis plus les bouquins. Si c'est pour que le jeu il plante à chaque fois. Quoi. Bon bah allez vas-y je vais lire ça. Non. Parce qu'il y a de toute façon Non. Un fusible électrique. C'est quoi ça? Une agrafeuse rouge. Ok bon je pense que comment qu'il fout les boules lui. Je pense que je cherchais juste le fusible électrique. Salopard va. Ok. À mon avis il va falloir 3 clés pour sortir de là. Oh le clou de tout à l'heure. C'est quoi? Des paquets de cigarettes, de l'alcool. De l'alcool, des cigarettes. Y'a pas de la drogue non plus. Oh putain c'est quoi ça? Voilà un jeu malsain. Bon, un truc à faire avec ces tuyaux là? Non. Bon. Écoutez, je vais essayer de passer par là. Oh, c'est quoi ça? Salopard. Ok, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Bah attendez, avant d'aller voir ici, je vais voir s'il n'y a pas un truc ici. Putain, il n'y a rien ici. Attendez, je vais voir là-bas parce que... Quoique... Non! Je vais d'abord aller voir ici. Je vais aller voir ici. Tiens, regardez ça. Un clou, super. Eh, c'est pour une lampe de poche ça. Putain, je peux pas la ramasser. Je suis dégoûté. Une torche cassée. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, je vais peut-être en trouver une qui marche. Un de ces quatre. Bon, y'a rien ici. Non, 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 non. Je m'en fous de son bouquin là. Je le lis pas. Ils vont encore me faire tout saccager là. Bon, c'est pas de la lecture que je veux faire. C'est sortir de là. Tout court. Alors. Qu'est-ce. Que c'est que ça? Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de tout faire au pif, là, donc c'est pas bon. Il doit sûrement y avoir quelque chose. À mon avis, ça doit être dans ce bouquin qui va faire bugger le jeu. La réponse est sûrement dans ce bouquin qui vient de faire bugger le jeu. Bon, bah, on va le lire. Tiens, on va en profiter. En fait, je viens de lire et puis tout ce qui est écrit là, on en a complètement rien à cirer, quoi. Ça nous sert à rien du tout. Bon, bah, c'est reparti pour un petit tour. Bon, pour la troisième fois ou quatrième fois, j'ai redémarré le jeu. Alors cette fois-ci c'est bon, hein, fini la lecture, je touche plus aucun bouquin. Bon bah ce qui est bien c'est qu'à chaque fois je grappille quelques minutes, vu que je sais ce qu'il faut faire. Bon par contre du coup c'est aléatoire, hein. Les objets ne sont pas placés au même endroit. Et ouais c'est vrai du coup que j'en étais là. Donc doit y avoir un truc avec ça à mon avis. Ok, doit y avoir un truc avec ça certainement. Peut-être qu'on va aller voir ailleurs, je vais aller voir de l'autre côté. Peut-être par là. Ah bah regardez, il y a des trucs ici. Ah oui, des paquets de cigarettes, l'alcool, la drogue et tout. Putain, c'est quoi ça? Oh. Ça a l'air bien accueillant de toi. Putain. Salopard. C'est quoi ça? Ah. Ah bah voilà. Faut en mettre un là et un là, je présume. Je m'en doutais. Des gnocchis en conserve. Bah c'est l'air bon. Non, non, non. T'en dégages. Bon, les bouquins, c'est bon, quoi. Un crayon. Un crayon inutile. Ouais, tu m'étonnes. Attendez, j'ai une clé d'or, là. Oh, une torche. Elle est cassée? Oui. Elle est cassée. Attendez, les gars, je suis pas sûr qu'on va réussir à sortir d'ici, là, franchement. Là. C'est quoi ce jeu de malade? Allez, là. Il me faudrait des pointes. Ah bah attendez, j'ai pas été par ici moi. Oula ouais. J'ai pas été ici, regardez. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ça va être bon. On va s'en sortir. J'ai trouvé un objet en forme de demi-lune. Ça c'est bon ça. Ah yes. Encore un clou.
Qu'est-ce que c'est que ça? Un médaillon avec des gravures? On va le mettre de côté. Non! Oh non, putain. Merde. Bon bah je vous laisse deviner ce que ça a fait quand j'ai ramassé la feuille du coup. Sauf que comme c'est aléatoire, il y a même plus le fusible ici, il y a plus rien du tout, même pas une clé, que dalle. Alors là ce coup là c'est bon, je prends même plus une feuille de papier, c'est mort. De toute façon ça sert à rien. Je sais que là-bas va y avoir la pancarte là avec les machins. Ouais c'est ça. C'est ça, vas-y. Vas-y, vas-y. Attends, tiens lui. Regarde, on va y en mettre un là. Eh ben on va y en mettre un là. Putain, j'en ai qu'un. Je pensais que j'en avais ramassé deux. Oh yes. Y'a pas eu un bruit derrière moi? Attendez. Oh, regardez ça. Une clé d'or. Peut-être avec la clé. Non. Alors, ah. Fusible, non. Iron, copper, gold, sulfur. La clé? La clé en or? Non. Alors là, les gars. Ah, l'objet en 2001. Que je n'ai pas, du coup. Puisque c'est aléatoire. Une pointe. Ça, c'est super. Ah bah le fusible il va sûrement aller là. Qu'est-ce qui t'arrive là? Salopard. Ah le code. Attendez, le fusible déjà. Il va là, voilà. Ah yes. Attendez, on va se détendre. Je suis pas plus con qu'un autre. Je vais y arriver. Je vais comprendre le truc. Là il y a des symboles. Une demi-lune là, un machin comme ça. Un éventail. Et un espèce de truc comme ça. Ces symboles. Ils sont là-bas. Putain, il s'épuise vite hein, le bonhomme. Hein. Attends, d'abord lui. Je vais y en mettre un là. Voilà, ça c'est bon. Ah, faut le machin en 2001 d'abord là. Pas de panique, je sais ce qu'on va faire. Attends, lui, il a pas un truc derrière lui? Ah non. Il est où le machin? Voilà. Bah alors cette fois-ci le jeu a planté sans aucune raison. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, je crois que j'ai compris la technique en fait. J'ai trouvé un petit médaillon dans ce placard là, dans celui-là là. Voilà, avec un marqué un 2 et avec derrière ces symboles. Donc à mon avis, le premier chiffre du code c'est le 2. Sauf que bien entendu, j'ai pas retrouvé le fusible pour mettre là. J'ai trouvé un passage secret qui mène ici. J'ai juste déplacé la table en fait. Mais j'ai pas encore été là. Attaque crayon. Ouais, ça va m'aider ça. C'est bien. Ah ben voilà, un objet en forme de demi-lune. Ça c'est bon. Un ours en peluche floconneux. Ah, c'est quoi ça? Ça c'est un truc qui a fait bugger le jeu. Non 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 non. Cette fois-ci, je la ramasse plus, c'est mort. Je vais continuer. Où est-ce que j'en étais? Putain, j'avais même pas vu qu'il y avait de la lumière, en fait. Et ça commence à saouler à chaque fois, hein, tous ces papiers qui font bugger le jeu, là. Non, non, toi, dégage, David Bishop, là. Bon, on va se casser de là. Ah, bah voilà. Vous voyez que c'est complètement aléatoire, les machins. Regardez, bon, bah, ça, par contre, ça, c'est marqué 2 derrière, je pense. Ah, non, 6. Vous voyez? Voilà, regardez, c'est complètement aléatoire. Le 6. Donc le premier chiffre du code, ce sera un 6. Il y a de la suite dans les idées là. Point droite, milieu, gauche et rien. Droite, milieu, gauche et rien. Droite, milieu, gauche et rien. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Une bouteille remplie d'un fluide étrange. Pour le secouer, non? Non. Alors là je vous le dis d'avance ça. Franchement, ça bug, je suis dégoûté. Les bouquins, les feuilles, là, ça j'oublie. De toute façon, ça sert à rien. J'en ai rien à cirer de tout ça, quoi. Alors, oh, deux verrous. Ah, ok, d'accord. Yes, c'est un raccourci. Alors, attendez. Peut-être si je mets ça, un truc en forme de demi-lune. Et ben voilà. Iron, copper, gold, sulfure. J'en sais rien. Franchement, là, je comprends pas. Eh, regardez. C'est bon, il y a la totale. Quelqu'un? Un médaillon avec des gravures. Ah! Le 1. Viens ici, toi. Celui-là. Je vais le mettre là-bas. Mettre à côté de celui-là. Voilà.
côté de son copain là. Oh, petite clé en or. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça là? Une agrafeuse rouge. Ah! Elle aurait été bleue, tu vois, ça m'aurait aidé ça. Je pense. Ah, gardez voir. Je vais le ramener là-bas celui-là. J'ai déjà 3 médaillons là. Putain, y'a rien par là. Ah, regardez voir. Je viens de trouver le numéro 3. Ça c'est cool. Je vais aller l'apporter là-bas. Iron, copper, gold, sulfure. Non, 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 y'a rien avec ça. Ah! Putain, vous voyez, faut avoir l'œil partout là. Alors attendez, Iron. Iron, c'est celui-là. Voilà. Iron. Copper. Copper. Attends, c'est ça, hein. Iron, copper, gold, sulfure. Tac, 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 gold. Sulfure. Donc, gold. Putain, je me souviens même plus du sulfure, ça y est. Pourtant, je l'ai vu il y a 2 secondes. Sulfure. Alzheimer, ça y est, ça commence. Bah attends, c'est dingue. Je m'en souviens déjà plus. Attends, merde. Sulfure, oui, c'est celui-là. Ah oui, c'est celui-là. Bon allez, entrez. Voilà. Ah bah voilà. Une ancienne clé. À mon avis, ça va servir à ouvrir ici. Il y a des chances. Chant qu'il va nous arriver des bricoles. Je sais pas pourquoi. Il va nous arriver des bricoles. Ah bah c'est lui. C'est cet ombre là que j'ai vu tout à l'heure. Oh lui. C'est quoi ça? Une pièce en argent. Je vais la mettre là en attendant. Attendez, il y a encore une clé. Bon, la pièce en argent, elle est là. Eh, il est où le fusible? Non, non, ça c'est bon. Je sens que... Si je prends ça, ça va tout me faire bugger. Attendez, mais j'ai pas trouvé le fusible. Bon, je vais prendre ça. Je vais l'emmener ici. 1, 2, 3, 4. Celle-là, je pense pas que ça compte. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une. Et il me manque surtout le fusible. Bon, je vais bien refaire le tour. Je sens que je vais encore perdre du temps. Putain! C'est quoi ça? Ah bah c'est pas moi qui l'a claqué comme ça. Je vais essayer d'aller par là. Salopard va! Ah non, il m'aura pas. La crise cardiaque c'est pas pour maintenant. C'est mort. Il est forcément quelque part ce fusible. Ah! Les clés en or! Attendez, je vais refermer la porte. Comme ça, s'il y a le tueur, je serai renfermé avec lui. C'est bon. Ah, yes! Le fusible. Il me faut un médaillon aussi, ce serait pas mal. Yes, le dernier médaillon. 0. Allez, on se casse de là. Vas-y, c'est bien, vas-y, vas-y. On va y arriver, les gars. On va y arriver. Donc, ça c'est quoi? 6. 6, le machin en lune, là. 1. Ensuite, le machin comme ça. Ça y est, on y est. Il me reste plus que 5 minutes là. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Bon, on va essayer de sortir de là bien gentiment. Ah, regardez, il nous surveille. Oh yes. Ça, vous savez c'est quoi? Ça, c'est les clés de la cave. On se barre de là. On se barre, on se barre. Attends.
attendez, parce que je sais pas pourquoi, mais... Il va me sauter dessus. Au moment où je vais vouloir me barrer. Je le sens gros comme une maison. Déjà, il m'a fait peur, cette enflure de rat, là. Ça, c'est le coup classique, ça. Allez, on y est. Oh, yes. Yes. Ouh. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de lire un bouquin. Le meuble adore. Documents trouvés. Ouais, bah oui, bah normal que j'ai pas ramassé les documents, forcément. Ça me fait bugger à chaque fois. À suivre. Ah ouais, carrément. Donc en fait, fallait ramasser plusieurs documents. Donc les cartes d'identité des tueurs, celles qui me faisaient crasher le jeu complet. Donc attendez, je vais essayer d'appuyer sur échappe pour voir. Non, bon, bah ok, bon, bah finalement, ça nous fait revenir ici. C'est plutôt bon, ça. J'ai réussi à sortir de là-dedans en moins de 30 minutes. Donc je vous mets au défi si vous voulez essayer le jeu, sortir de là en moins de 30 minutes. La preuve que c'est faisable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt et ciao tout le monde.